Madame, ici, bonsoir, bienvenue dans sa journal en créole à Nouguette-Bantit. De sub-rôle inauguré à Zodi par Premier ministre et que l'in coûte 10 millions de roupies. Pendant sa cérémonie, la Premier ministre India qui combat contre la drogue peut continuer. Fin note en hausse 16% d'exportation pour le premier trimestre 2022, 10,9 milliards de roupies contre 9,4 milliards de roupies, même période l'année dernière. State Trading Corporation in lance un nouveau marque d'Iri Basmati, STC, peut aussi négocier pour importer de l'huile, grains secs et d'huile en poudre. Le plan international in gagne une fusillade dans une école dans Texas qui finit faire au moins 21 morts, là-dedans 19 enfants et 2 adultes. Merci, vous pouvez suivre sa journal depuis Cotou. Nous démarrons sa journal avec double sortie, Premier ministre dans Moka et dans Réduit à Zodi. Face à Covid et que la guerre entre la Russie et que Ukraine, situation bien difficile, avec même risque de nos produits base pas disponibles. Chef gouvernement expliqué que gouvernement peut faire maximum pour qu'il denrées alimentaires comme du riz, la farine, de l'huile et que du blé reste disponible pour tout le monde. L'IFIN aussi fait appel à l'assistance par million de roupies qui fin apportée par tout ban travailleur 2 mois pendant confinement. Avec ban subside qui fin injecté pour vin en aide à la population, l'IFIN donne réplique aussi à l'opposition qui demande émettre un terme à ban prosé, mais développement peut continuer. Premier ministre in aussi dénonce ban activité mafia la drogue parmi ban politiciens. Nous écoute un propos. Beaucoup dénonce l'opposition. On est l'opposition, vous réalisez que qui est arrivé là? C'est un étranger qui vient de Maurice. Quand il vient de Maurice, c'est quand on a découvert qu'il est impliqué dans le trafic de la drogue. Il fait plus de 700 millions de roupies transactions de la drogue. Il font partie d'une bande organisée criminelle. Et Interpol il lance un mandat d'arrêt international, tu peux redire. Tu dis, fais attention, il est dangereux, il est armé. Et ça, du monde là, condamné à 22 ans de prison, s'il vous plaît. 22 ans de prison. Et ils mettent lui dans, là, quand il est là-bas, ils mettent lui dans High Security Prison. Vous direz, où qui a été criminel, il était. Mais, comme ici, moi, on connaît, moi, je mène un combat contre un trafiquant. Et surtout un trafiquant international. On est capable de laisser ça du monde là, là, dans le pays, qui vit là, qui fait ce trafic ici, qui pour empoisonner nos bonnes enfants, nos populations, nous faire des sortes qui légalement, vous dire légalement, nous faire lit, nous prenons lit, nous donnons lit à l'autorité slovaque. Maintenant, dépêchez un avion, s'il vous plaît. Fait un avion, vini, prend lit. Autant qu'il est dangereux, autant qu'il est wanted. Quand nous faisons ça, qui s'en a ou quoi peut défendre Guy dans l'Assemblée nationale? Monsieur Reza Outim, député MMM. Il pose question. Il attaque moi. Il défend ça, trafiquant là. Et aujourd'hui, vous pouvez trouver qui s'en a véritablement permis un combat contre le trafiquant. Pour protéger ou bons enfants. Et qui s'en a comment MMM, les autres peuvent défendre trafiquants, mafia la drogue. Les autres masques sont tombés. Et aujourd'hui, nous pouvons trouver notre vrai visage. Et quand la partie travailliste, vous n'avez pas besoin de dire, depuis qu'ils sont dans le gouvernement, depuis 2005 jusqu'à 2014, ils sont constamment tolérés. Ça va, la mafia là faire notre business. Nous pouvons faire face à une situation difficile. Ouais. Nous finissons avec la COVID. Le gouvernement dépense beaucoup, beaucoup d'argent pour soutenir la population, pour soutenir l'emploi. Dans le secteur, dans l'hôtellerie, tout peut être fermé. Travailler pour des hauts, parce qu'il descend pas les touristes. Vous connaissez ce que ça veut dire ça? Un business capable de signer comme ça? Nous donnons support à tout bon travailleur.
wage assistance scheme. Même les travailleurs dans le secteur informel, self-employed, nous donnent un support financier. Nous donnons un support à la petite et moyenne entreprise. Nous avons besoin de dépenses casse pour acheter l'équipement, médicaments, vaccins. Nous ne dépensons pas milliards. Et je vous dis, malheureusement, nous pouvons faire face à une autre crise, la guerre dans l'Ukraine. Ça a l'effet de la commodité, c'est-à-dire de la produit, comment dit blé, du riz, la farine, gaz, pas de produits pétroliers, prix peut augmenter partout dans le monde, pas juste Maurice. Mais bien sûr, quand sa situation-là peut développer comme ça, mais il y a un projet qui nous a besoin de sacrifier. Dans nos programmes, nous avons beaucoup de choses qui nous ont envie de faire, beaucoup de développement nous ont envie d'amener. Mais il y a certains nous ont sacrifié, mais seulement, nous ne pouvons pas sacrifier tout. Le pays peut faire face à une situation côté de l'inflation, et de l'inflation mondiale. Mon institution internationale, ils ont tout une tierce sonnette d'alarme. Et nous pouvons causer l'inflation, ou connaît qui est capable d'arriver là. Nous pouvons causer l'inflation, et dans le risque qu'il y ait certains produits pas disponibles. Ou pas réussir à acheter même. À la côte, vers la côte, nous dirigeons. Nous. Et bien sûr, nous, gouvernement, nous travaillons parce qu'il nous voulait ben, une commodité de base qui nous servit plus souvent, comme la farine, de l'huile, du riz. Ça va une commodité-là, elle est disponible au moins du monde pour capable gagner dans le supermarché pour capable acheter. Là, nous pouvons faire des mosses. Ou qui est STC même capable d'importer de l'huile. Nous n'arrivons dans une situation comme ça. Et bien sûr, STC importé, c'est valide un prix qui est abordable. Nous pouvons donner un subside, nous vous donnons un subside, là. Mais seulement, combien de subsides nous avons donné aussi? Malheureusement, l'argent, la caisse illimitée. Donc, on peut faire démagogie. Connaissez-vous l'opposition? Jamais on ne trouve l'opposition comme ça. Toujours dans réduit, Premier ministre Indira Kili et que l'équipe travaille à l'oban mesier budget avec situation actuelle et que le budget, avec situation actuelle et que manque visibilité dans l'avenir, il n'est pas pour un budget facile. Premier ministre in aussi commente l'actualité politique. La Cour suprême in rejette toute pétition électorale pour élection générale 2019. L'IFIN qualifie allégation l'opposition frivole. Candidat battu Adrien Duval fin même retire ce l'appel qu'il prévoit dans Privy Council. Entre-temps, niveau économique, c'est relance plusieurs secteurs. L'IFIN dit qu'il s'est atteint pécré des ordres dans le pays avec tentative fuel strike pour renverser le gouvernement. L'IN demande l'opposition atteindre la fin de ce mandat. L'IN dit qu'il peut continuer ce travail à cause les peuples in Swaziali. De nouveaux projets de développement qui finissent inaugurés à Zodi par Premier ministre, un sub-hall qui trouve dans Railway Square dans Moka et un lot dans Réduit. Ça déposé là, il coûte 10 millions roupies. Premier ministre India qui se combat contre la drogue peut continuer et que l'IPA pour permettre ban trafiquant international comme Peter Urisek opéré dans Maurice. L'IFIN aussi critique ban parti travailliste et MMM qui peut défendre sa ban qualité d'immunla à Nougueté. Nouveau sub-hall qui trouve dans Railway Square dans Moka et n'a entre autres ban l'espace pour ban jeu intérieur et que ban la salle gym. Ça ban facilité des tentes expo là, zot pour 130 familles l'endroit, c'est tout ban sen et ban grand immun. Premier ministre il procède à inauguration sa infrastructure là et il dit qu'il sac l'endroit, petit ou grand,
pour qu'on progrès. Pravin Jugnauth exprime ce souhait faire Maurice vin un pays que les enfants capables évoluer dans un environnement correct. L'in réitère sa volonté combattre ben trafiquant la drogue. Il y a un monde qui malheureusement je prends mauvais cimé, je tombe dans la drogue. On est comme ben famille qui ont la vie vient de l'enfer. La cause d'un membre, et ça en plus de ça, s'il y a une scène qui tombe dans la drogue. Et tout le monde connaît qui combat mon père Méné contre mafia la drogue. Mon père, et moi j'ai une conviction. Moi je dis, pas pour capable de tolérer personne qui est dans une façon ou une autre à faire avec la drogue. Et là, récemment, on trouvait qu'il arrivait. Pénazis mafia local, un étranger, il vient dans nos pays. Seulement quand il vient dans nos pays, à ce moment-là, pas de rien contre lui. Nous pas de information. Après, il est là, Interpol fait nous connaître qui ça étranger là, il peut rester assez par la police dans son pays. Et qu'il est dangereux. Et qu'il est armé. Donc, Bizef prend toute précaution. Bien sûr, ça a été dit, moun là. Il fait transaction la drogue, s'il vous plaît. Plus que 700 millions de roupies. Il amène ça a été casse là ici. Et il est condamné 22 ans de prison. 22 ans de prison dans ce pays. Mais ici ou quoi, nous avons les scènes du monde comme ça, libre, si à qui il est, faire ce business ici, et nous faire ce qu'il nous fait. Parce que comment me dire, moi, je ne peux pas vous permettre mafia internationale pour opérer dans nos pays, pour venir empoisonner nos enfants, nos familles, nos populations ici. Et un avion, s'il vous plaît, un avion envoyé par ce pays pour venir prendre lit ici, pour réaliser qui a été criminel, ça a été. Et c'était là dans l'Assemblée, Michel Rezaoutim, député MMM, peut poser question, peut défendre lui, peut dire, ah, qui fait, il fait ça du monde là, allez. Je vous dis, moi, je trouve masque MMM vraiment tombé. Qui va être défendre la mafia, la drogue. Mais ça, moi, j'espère que les peuples peuvent noter, peuvent guetter ça. Et quand tu as parti travailler, vous connaissez depuis 2005 jusqu'à 2014 qu'ils ont régné dans ce pays. Ils ont soutien à la mafia, la drogue. D'ailleurs, si je dis, nous pouvons gagner autant de problèmes. C'est parce qu'ils savent une mafia là, ils font autre business. Je dis, nous gagnons, accumulent autant leurs ans. Autant de ressources qu'ils ont accumulées. Et à ce stade-là, nous pouvons besoin de maths contre eux. Mais vous connaissez, moi, je dis, moi, vous pouvez mettre propre, vous pouvez nettoyer. Vous réalisez où? Depuis 2005 jusqu'à 2014, nous demandons de mettre une commission d'enquête sur la drogue. Le Premier ministre, Dr. Navin Ramoulam, refuse de mettre une commission d'enquête. Mais qui fait? Qui fait? Qui fait? Nous, quand nous venons, nous mettons une commission d'enquête sur la drogue. Et d'ailleurs, il y a une recommandation qui nous fait, nous, beaucoup là-dedans, nous appliquer. Mais vous les sous-disez, qui fait? Allô? Moi, Molé, qui nous bat des enfants, Molé, qui ma population, je grandis, je évolue dans l'environnement qui est correct, dans l'environnement que le pénis a un fléau là. C'est le gouvernement, une demande man mauricien, fait une activité physique pour se traiter en bonne santé. Les fins causent l'oban maladie qui plie courant parmi man mauricien et l'idée qui s'arrête se plie vulnérable, surtout face à Covid.
La suite, sa zone là après, ça réclame là. Exportation pour premier trimestre 2022 li à 10,9 milliards contre 9,4 milliards, même période qui l'année dernière, ce qui représente un hausse 16%. Ministre Sunil Dutt Bula dit que malgré ban difficulté fin gagnée par Covid et la guerre, la Russie et l'Ukraine, sa secteur là peut maintenir ce progrès. Le plan international, une fusillade dans une école primaire dans Texas, il fait 21 morts, parmi 19 enfants et que des adultes. C'est un drame qui fait une choc aux États-Unis, un drame bien triste pour la famille. À nous guette nouvelle l'étang et na un divan lésé qui peut circuler dans la région. Le ciel peut dégazer à soi. L'étang pour joli demain. Soleil pour lever demain 6h35 et que les poils dormis 17h38. Madame Missier, nous fin arrive la fin de sa journal en créola. Merci ou fin suivi et à très bientôt. We'll be right back.